Ah non, ça s'est coupé tout à l'heure. Désolé, hein, reconnaissez-vous. Donc, ça, c'est mon café gourmand. Un café bien gourmand. Désolé, mes gens, ça s'est coupé. Un café bien gourmand. Et ouais, je prends la chose avec nos pots. Ah, désolé, hein. Nous avons été coupés, reconnectez-vous. Coucou Ariane, tu vas bien? Bon dimanche. Merci, merci beaucoup. Merci, merci la famille. Reconnectez-vous, ouais, on a été coupés. Oh. On a été coupés. Il y a les gens que... Certaines personnes doivent comprendre que... La vie que vous voyez, c'est surtout les réseaux sociaux. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Si vous avez les gens qui sont sur les réseaux sociaux là, qu'ils ont décidé de pourrir la vie des autres. Moi, par exemple, depuis 10 ans, on m'a dit qu'on allait me démolir sur les réseaux sociaux. On va te perdre. J'ai un groupe de moins de 50 personnes, voire 100 sur moi. Les blessés de guerre. Ils sont sur moi, ils ont décidé qu'ils vont me manquer le feu. Donc quand vous lisez quelque chose sur moi là, avant de venir m'insulter avec ça, tournez d'abord votre langue dans vos bouches. Coucou maître, tu vas bien? Bon dimanche. Je suis sur Montparnasse. J'étais avec Elisa. Elle est partie. Elle a son train. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Coucou, ma yandama, eh. Mami Yanga, ça c'est ma soeur chérie, le guerrier Nanga. Il y a les filles qui disent que oh, oh, moi je n'ai pas mes soeurs Nanga. Ça vient même. Les soeurs Nanga sont derrière moi comme ça là. Bim. Ah oui, tellement. Merci beaucoup. Oh, ma MS. SS, tu vas bien, ma princesse, tu vas bien. Je vous disais qu'à la Coco Gang, là, il faut qu'on loue le bus discothèque, là, dans Paris. Qu'on soit le premier gang à louer ce bus-là. On a même grand tout vent dedans. On fait la fête. On est dans tout Paris, on boit la vodka, on boit le champagne, on est là. Mais la vie, c'est quoi même? Vous allez là, vous travaillez là, vous ne vous amusez pas. Vous avez raison parce que se mélanger à la communauté, c'est avoir des problèmes. Mais sortez un peu, repérez quand même. Vous êtes assez intelligent pour repérer les bonnes personnes quand même. Nous, déjà, la Coco Gang, là, on forme une famille. Petit à petit, même si la majorité, nous sommes parano, eh oui, mais il ne faut pas laisser, c'est ce que Satan veut. Satan veut qu'on devienne parano. Là, tu regardes tout le monde comme ça, que, hey, celui-là même, hey, le bonjour qui me dit là même, c'est déjà pourquoi, non, ne soyez pas parano. Croyez en Dieu parce que Dieu est là et il vous protège. Sinon, moi, on me retient. Vous avez vu? Ça s'appelle
Les petits villageois, là, les broussades, là. Ça, c'est un café gourmand. OK? Donc, dans un... Vous voyez, une assiette comme ça. On te met un petit fondant de chocolat. On te met une petite mousse. Ça peut être à la fraise ou au chocolat ou aux fruits exotiques. On te met un autre petit dessert et autres, ça dépend. Voilà, et on te met un petit café. C'est ça, ça s'appelle un café gourmand. Voilà. Un petit café, un petit fondant au chocolat, un petit fruit. Allez, village. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Puis-je avoir un grand marnier? Comment? Un grand marnier. Un grand marnier? S'il vous plaît. Vous voulez. Vous le voulez pas fermé, vous le voulez normal. Normal, oui, s'il vous plaît. Voilà, donc quand tu as fini de manger comme ça, tu prends un petit digestif. Voilà, là je vais prendre un grand marnier parce que comme j'ai trop bu hier soir, donc c'est un digestif doux et c'est super bon pour les femmes. Parce que nous les filles, on a tendance à vouloir faire les choses comme les garçons. Tu vois, voilà, une fille s'assoit au restaurant comme ça, après elle va commander un digestif fort, genre Armagnac ou Cognac et tout. Prenez un petit grand marnier, si c'est pas bon. S'il avait un grand marnier à l'orange, ça serait encore plus. Oui, voilà, il faut apprendre les bonnes manières et la bonne vie aux villageoises. Voilà les filles comme ça que. Et vraiment. Et vous avez la chance. C'est que vous lavez. Je vais vous laver tous les jours. Mais je vous laisse. Mais asseyez-vous. Vous prenez les cours de cuisine chez moi. Vous prenez les cours de SAP. Vous prenez les cours de la vie. Voilà, comment se comporter dehors, changer. Sortez un peu de vos milieux, les ailes de poulet avec les filles là. Vous riez même pas. Oh, tant que c'est bon, j'aime les bonnes choses, il faut économiser. Ma soeur chérie, si tu économises déjà pour moi, c'est bon. Ton argent, c'est mon argent. Je suis née dans les bonnes choses. Mon père était un épicurien. On ne mangeait pas de pommes chez nous. Demandez à tout le monde. Donc, je suis née dans les bonnes choses. J'ai grandi dans les bonnes choses. Je vais mourir dans les bonnes choses. Ne me faites pas porter une étiquette qui ne correspond pas à mon éthique. Voilà. Asseyez-vous et apprenez à me connaître. Voilà. Apprenez à me connaître. Je peux me lever maintenant et pas au village. Je m'assois là-bas et mange le manioc avec le truc. Je vis les plus au feu tous les jours, les sangs que je bats à la pêche. Je vis comme une bonne villageoise. Vous connaissez le mot? Comme je peux me lever maintenant pour décider de vous présenter tous les palaces, tous les grands restaurants de Paris. Et ça va rendre les gens, ça va vous rendre dingue parce que d'autres pensaient que vraiment, quand ils disent que ouais, ouais, la fille là, machin, tout n'a rien, que c'est ça. Sachez qu'il y a des personnes qui sont nées avec des étoiles, qui ont des lumières, qui ne peuvent jamais. La personne peut rencontrer un problème maintenant là et tout, mais dans les heures qui suivent. La personne peut rester même comme ça, il lui manque 2 euros. Mais dans les heures qui suivent, elle va avoir 200 euros, 1000 euros. 2000 euros, voire plus. Il y a des gens comme ça. Arrêtez d'être bête sur les réseaux sociaux. Là. Ah, voilà le café du Cameroun que je bois ici là. Robusta Arabica. On va tester l'autre. Bon, moi, je n'aime pas les fondants au chocolat là. Kimbi, viens non? Je suis à Montparnasse. Rejoins-moi. Ça, c'est au chocolat. Mousse au chocolat. Voilà les œufs qu'on fabrique chez nous. Et ouais, nous vendons ça ici là. Alors que c'est fabriqué chez nous. Quand tu te lèves, un gars comme moi, tu dis que tu veux créer
dans la cuisine, tu peux te lancer, tu veux faire les choses. Et tout. C'est toi qu'on prend maintenant comme le pilon, le mortier. Tes propres frères prennent, ils te pilent comme ça. Pour que tu te décourages. Merci beaucoup. Voilà. Les villageois, ça c'est un grand marnier. C'est comme ça qu'on sert un grand marnier. Voilà, ça c'est un digestif. Un digestif, ça se prend après manger, après le café. Comme ça, ça fond tout ce que tu as mangé. Vraiment, les blancs savent vivre. Les gens, les Mbunga qui m'insultent là, qui finissent de manger le bonbon avec le couscous. Bien le tarot avec la sauce, je n'ai pas imposé, c'est ça qui est conseillé quand son téléphone. Tu sais vivre toi? Vous voulez même pas. Là, les Mbunga, il faut souvent cliquer, c'est ça qui vient m'insulter là. Je vous ai dit que cliquez souvent sur leur photo, vous allez sur leur profil. Tu as une qui est venue m'insulter l'autre jour, je suis partie sur son profil. Sa fille avait pris la première communion, elle a cassé les posters comme ça là sur la maison en terre battue. Je lui ai dit que ma soeur dort aussi. Vous avez un soin comment ici? Donc mon rêve, c'était vraiment de faire des belles choses. Vous avez vu, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous ai appris à fabriquer le digestif maison. Ça veut dire que tu prends, on a le domtol et le ha au Cameroun. On a le ginger, on a le cyclone. Hein? Je pense même qu'on fabrique même déjà la vanille là-bas. Bon, tu ne prends même pas la vanille, tu prends les racines du village. Tu prends la nana. Tu mets dans la bouteille. Tu prends une belle bouteille. Hein? Tu mets le ha dedans. Tu mets le ginger. Tu mets les écorces là, les racines que les pères mangent souvent. Là. Tu lances dedans. Hein? Tu mets le cyclone. Tu mets le fruit que tu veux. Tu sers ça en digestif à tes invités quand ils viennent à la maison. Voilà, ça fait made in Cameroun. Voilà, si. Le dongdol, c'est-à-dire, avec le dongdol, vous pouvez vous-même fabriquer vos digestifs maison avec le dongdol ou le ha. En plus, le parfum, le goût, la quintessence de le dongdol là, mélangé aux écorces et fruits, je vous jure que c'est quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi. Les grands-pères ne pensent pas à créer les choses comme ça. Quand toi tu arrives, une comme moi comme ça, là, que tu arrives, tu veux faire la différence. Tout le monde se pose sur toi. Oui. Ça, ils font tout pour me décourager, qu'ils abandonnent tout ce que. Hein, tous les projets, tout ce que je veux faire. Dans la, ils font tout pour me salir, ils font tout. Alors que j'ai des projets, j'ai tellement de choses, j'ai tellement d'idées. Je ne vais pas mourir pour le Cameroun. Comment? Villageoise à la vôtre, bande de connes là. Où tu tiens comme ça? Vous voyez les coups. Les Mbunga qui sont arrivés là, après on vous a fait l'annonce, vous êtes assis chez les blaireaux là-bas au village et tous les pouilleux qui sentent là. Vous mettez aussi sur Facebook pour m'insulter. Où vous vivez là, c'est chez vous. Vous vivez chez vos vieux blancs. C'est ta maison où tu es chez le vieux blanc là. Que toi tu aimes insulter. On t'a dit que moi quand ma maman avait un blanc, c'est ta qualité là. On t'a raconté mon histoire. Mais, il est même pas. Vous êtes souvent que quand il parle, mais c'est joli. Voilà les gars comme ça, hein, qui ont d'abord grandi dans les conditions difficiles au Cameroun. Comme elles ont atterri ici en Bengue, personne ne sait. Mais c'est elles qui pondent les réseaux sociaux, qui encouragent les sales filles qui ont grandi dans les sales conditions à salir les autres. Celles qui essaient au moins de valoriser la femme camerounaise, il faut qu'on la salisse. La femme camerounaise, c'est pas vous. D'accord?
Regardez mes soeurs doigts là. Tu as tu, ma soeur doit là, même si elle n'a pas l'argent, à l'obaye, ma London, ma yé, vous savez comment? Elle s'habille, elle est propre, elle est comme ça. Là, tu peux parler à une fille doigt là n'importe quoi. Tu vas passer par où? Elle se met d'abord, elle est comme ça, elle se valorise. Ça c'est la communauté. Depuis, mais ça va moi alors. Hein, pourquoi ma petite soeur Lydiane? C'est les filles d'abord naturelles. Elles sont d'abord belles. Quand on dit que les filles sont belles au Cameroun, les bamoises sont belles, naturelles, elles ont les teintes là. Un noir ciré là, un gant belle, les cheveux sur la tête. Et glace. Je n'ai jamais vu une bamoise dans les sales choses. Non. Jamais. Mes soeurs nordistes alors, les peules là-bas, elles sont belles, posées. Oh, les filles du Cameroun. Hein? Nous les filles Yaoundé, c'est que nous sommes un peu folles et tout machin, tout, mais attention, c'est la dimension. Les filles bêtises, c'est la dimension. Elles sont intellectuelles. C'est un peu folle, mais nous sommes intellectuels. Nous sommes les bonnes femmes d'intérieur et tout. On n'a pas nos langues dans la poche. Parce que quand je vois les connards qui m'insultent, incapables de s'occuper d'une maison, incapables de préparer, incapables même de faire sa propre toilette sur elle. Parce que quand on parle là, une femme, c'est d'abord sur lui. Oui. Et maintenant, on regarde ton intérieur. Oui, oui, oui. C'est ça. Dans mon concept de cuisine africaine revisitée, ça vous n'allez jamais me l'enlever parce que j'ai sauvé des mariages ici dehors, j'ai sauvé des couples. Et beaucoup de personnes sont découragées parce que au lieu de continuer d'être dans mon concept, donner des recettes, conseiller pour les choses de maison, etc., je me suis retrouvée dans les clashs. Mais elle va dire que vous êtes quand même un peu. Vous n'êtes pas gentil parce que vous savez très bien que je ne provoque pas. Je ne provoque jamais. On vient toujours me provoquer. Et c'est là que je sors pour répondre. Donc, vous ne pouvez pas me juger ou bien vous fâcher parce que je me défends sur les réseaux sociaux. Non. Vous devez comprendre. Si je ne défends pas mon travail, qui va défendre vous? Non. Hein? Je fais mon riz patriotique. Je présente mon riz la vert ou jaune. Que ça m'a pris le temps de réfléchir que bon, pour faire le riz vert, je vais utiliser les produits naturels, je ne vais pas utiliser les colorants. Parce qu'en gastronomie, maintenant, on utilise beaucoup de colorants. Le riz rouge, je teste d'abord. Ça veut dire que la cuisine, là, c'est mon laboratoire. Je teste pour avoir une couleur de riz rouge avec des produits naturels. Comment je fais? Et tout. Maintenant, le riz jaune, comment je fais? Maintenant, pour créer l'étoile du Cameroun, comment je fais? Je réfléchis dans tout ça. Je crée mon riz patriotique. Je viens, je présente. Et puis, tu as une connasse. Parce qu'elle n'aime pas ma gueule. Parce qu'elle trouve que j'ai une grande gueule. Ben oui, ben, tout génie a une grande gueule. Hein. Alors, cite-moi un peu un génie ici sur Terre. Hein, qui n'a pas eu de grande gueule. Les génies sont même les personnes bizarres. Quand on voit même les tableaux de Pablo Picasso, vous avez vu Pablo Picasso peindre ses tableaux? Hein? Vous arrivez dans un endroit bizarre. Ce monsieur était bizarre, une barbe, un genre là. Et tout machin. Tous les génies, aucun génie de ce monde n'est normal. Ils ont toujours les caractères bizarres. Ils sont toujours bizarres. Donc, quand vous avez une comme moi, comme ça, que Dieu a eu la chance de m'envoyer au Cameroun. Hein? Vous voyez très bien, non, tu as l'air entre les mains, et tu as l'air entre les mains, et vraiment, un machin et tout, blablabla, hein? On ne t'aide pas parce que c'est la grande peur. Oh, machin, ma bouche. Parce que vous êtes mauvais. Parce que vous n'avez jamais aidé quelqu'un dans vos vies. Et parce que vous voulez me tenir au chantage. Voilà l'autre qui m'a tendu la main que hein, tu peux fumer ton poisson là-bas. Un mois et demi seulement, elle n'a même pas commencé. Le chantage a commencé et tout. Et un être atypique comme moi, comme ça, là, berceau, bizarre, on me tient pour le chantage. Maman, ça, comment? Une fille qui a 18 ans, mes parents cherchaient que la famille t'entend rechercher. Je suis d'abord turbulente. Donc, personne ne peut me tenir au chantage. Tu es Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut me tenir au chantage. Et comme moi-même, tous les jours, dès que je me lève le matin, je le challenge. Et tout, je dis que papa, il faut un agent, va dire.
Tu es mon père, tu es ma mère, tu es tout pour moi. Tu es le plus beau des papas. Hey, je n'ai jamais vu un doulé papa comme toi. Mais je parle comme ça, hein, avec Dieu. Là, vous pouvez vraiment me traiter de folle. Oui, 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 je parle comme ça. Je dis non, tu es le chauve. Tu es le plus grand docteur. Tu es le plus machin. Je suis ta fille, il n'y a personne. Toi et toi seul. C'est toi qui décides. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Il aime ça. Dieu aime que tu lui dises que c'est lui et lui seul. C'est ça qu'on me fait pas. Même quand les gens se lèvent, ils ont déjà planifié que non, ils vont me finir et tout et tout. Ça arrive comme une vie. Je sors. Ah oui, oui. Oui. Donc ne me dis pas que, ah oui, tu as la grande gueule. C'est pour ça qu'on était pas. Quand j'avais l'argent, moi j'ai payé les papiers sur les gars en Suisse. Paye, c'est combien que mon frère c'est pardon, dit bah je sors l'argent, je paye, je donne. Oui, toi tu fais ok, c'est combien, je prends, je donne. Il n'y a pas histoire de que non, on ne te donne pas parce que on ne te fait pas si parce que tu es toujours en train de faire le chantage aux gens, n'importe quoi. Vous donnez, vous ne donnez pas, est-ce que la personne va mourir? Beaucoup d'entre vous là, vous avez décidé de ne plus donner l'argent à certaines personnes comme au pays. Moi-même d'abord, c'est comme ça, en commençant, j'ai coupé les vivres là-bas, j'ai dit qu'ils ne donnent plus un franc. Ils vivent, hein. Ils vivent, ils construisent même les maisons. Donc ne pense jamais que tu es le centre du monde des gens. Non, tu n'es qu'une option, tu n'es qu'un pion. Si tu ne donnes pas, ils vont vivre. Je n'ai jamais entendu au Cameroun que les gens sont morts parce que tu ne leur as pas envoyé l'argent. Donc vous qui pensez tenir les gens au chantage, là, vous mentez. Non, on ne donne pas. Non, on ne donne pas. Oui, oui, oui. Elle a la mauvaise bouche. Je suis née comme ça. Ce n'est pas 49 ans que je vais changer. Tu ne veux pas me donner, ne me donne pas. Je n'ai pas mouru. Parce que tu ne m'as pas donné. La chance que moi-même je connais le travail. Parce que si elle ne savait pas travailler, si elle n'avait pas la politique de mes moyens, mais madame, si je suis vraiment sous les pompes, je dis oh oh oh, SDF, tu as dormi où? Tu dors dans ta voiture. Et l'autre m'a carrément dit que j'avais ma doudoune sur moi. L'autre m'a carrément dit que c'est la couette que j'ai sur moi. Quand je dors sur les pompes, que porte la couette sur mon frère. Mais il y a un souci. Il m'a dit que porte la doudoune. La couette. Que porte la couette. Voilà l'autre. Le jour que je suis allée laisser les vêtements au pressing. Hey, tu laves tes habits au pressing de Carrefour. Regardez-moi un idiot. C'est un centre commercial. Donc c'est normal que dans un centre commercial, il y a Carrefour, il y a les pharmacies, il y a machin. Il y a... Mais vous êtes tellement bête. Mon Dieu, mais les réseaux sociaux, on se mélange. On se mélange. Et quand il vient me dire ça, il pense que c'est une insulte. Lui, il m'a bien insulté. Alors que c'est un bon villageois. Il le connaît bien. Il me dit que il avait des habits au pressing de Carrefour. Parce qu'il a vu Carrefour à côté. Il ne sait même pas que c'est un centre commercial. Et même, tu comprends? Même si c'était le pressing de Carrefour, ou bien qu'il y a un pressing dans Carrefour. Tu sais comment ça coûte laver un vêtement? Hein? Ça te fait ta ration de je ne sais pas combien même, un seul vêtement, ta ration de 2 jours ou même 3 jours. Parce qu'on vous connaît sur les réseaux sociaux. Ah, comment ça commence à fatiguer hein, ces réseaux sociaux là, toujours. Mais je ne vais pas partir à cause de ces trolls là, les trolls virtuels. Vous allez me sentir, vous allez vous désactiver de ma page, vous-même, tellement que je vais vous mettre dans la vie. Je vais vous dire que sur les réseaux sociaux, il y a une femme qui a mon macabo sur les réseaux sociaux, parce que avant, c'était ma vie, avant de me lancer dans la cuisine. Oui, pas au restaurant, je commande les humains, je mange le poivre et tout, je filme.
Je passais mon temps à poster tous mes repas, tout ce que je mangeais, où je sortais, dans les endroits les plus huppés et tout et tout. Elle a appelé ma meilleure amie. Tu vois? Ah ouais, mais ta fille là, elle passe son temps à dépenser son argent dans les restaurants. Elle sait même quelle histoire ça. Mais la mère, même si je bois mon argent dans les restaurants en Bénin, bien que ma chante, il est où ton problème? Là, vous avez des problèmes aussi. La femme là, elle est faux profil, elle commence à me harceler. Elle est toujours derrière les faux profils jusqu'à aujourd'hui pour me harceler. Juste parce que quand je sais que quand je sors là, j'ai dit comme ça, ça énerve beaucoup. Voilà. Ceux qui étaient fiers de raconter que moi j'étais fini, que je ne vaux rien. Et tout, que j'ai une vieille ratée et tout machin. Donc me voir comme ça, ça les énerve jusqu'à. Ce que tout le monde se dit. Blanc comme noir. Pas besoin de côté. Porte mes caleçons, mes bas, mes talons. Je ne vais pas m'installer. Voilà. Je danse les 9 semaines et demie au gars tous les soirs. Il va m'épouser. D'accord? Donc je peux le faire. Donc vous ne pouvez rien me dire. À ce jour, là-dedans, il y a mes mains là. Je sais faire beaucoup de choses. Donc ne pensez pas que. Voilà. Juste que j'ai mis la barre haute. Ma barre est très haute. Parce que je ne peux même pas avoir été avant un garçon que c'est les gélatiques qui sortent de sa bouche et tout. C'est les gars, comme ils voient qu'il est bête, il n'est pas intelligent, il n'a pas été à l'école. Toi, tu es sans gars, tu es à l'école, tu es intelligente et tout. Il va se sentir frustré. Donc, vous qui avez les filles là, moi je vous conseille aujourd'hui, là on est dimanche. Les analphabètes garçons là, vous n'avez pas été à l'école, excusez-moi, mais vous êtes comme ça. Si vous êtes 190, ils sont comme ça. Quand un homme qui a fait les études, qui a une belle situation, prend une analphabète, c'est différent de quand une intellectuelle, une femme qui a les moyens, prend un gars qui n'a pas été à l'école. Vraiment la frustration de ça. La frustration de ça. Que le gars, si vous êtes dans une discussion, tu lui dis que non. C'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il va te dire que non, c'est comme ça. Donc il veut jouer au mal dominant alors qu'il n'a rien dans la tête. Du con, ton gars est à l'école plus que toi. Elle a les barres plus. Donc, si vous êtes dans une discussion intellectuelle, elle te dit que c'est ça. Ça ne sert à rien de discuter et puis maintenant de vouloir sortir les coups de poing. Parce qu'on vous connaît. Je reçois beaucoup d'appels des femmes comme ça. Donc mesdames, si vous avez été à l'école, vous avez un certain background. Voilà. Essayez. C'est rien, monsieur. Essayez de ne pas sortir avec les gars qui n'ont aucune éducation. Oui, cherchez les gars qui ont votre niveau. Sinon, vous serez frustré jusqu'à. Ah. Vous serez frustré. Oui. Donc les gars là, vous pouvez m'insulter, si vous voulez, j'en ai rien à foutre. D'accord? Mais moi, je vais vous dire les vérités. Ma chaîne, c'est là. C'est la chaîne. Je vais dire les vérités. C'est ça. Vous êtes comme ça. Vous êtes des pervers narcissiques. Ça dit que toi, c'est les gélatiques qui sortent de ta bouche. Tu discutes avec une femme qui est juriste, qui est avocate, qui est cadre supérieur quelque part et tout parce qu'elle t'a aimé. Hein? Tu penses que c'est parce que tu es très fort. Tu sais très bien qu'elle est plus intelligente que toi. Elle gagne plus que toi, mais elle t'a aimé, elle t'a donné ta place. Donc. Voilà, l'affaire des forts aux fesses, là, c'est ça. C'est vraiment les filles. L'affaire des forts aux fesses, c'est ça qui vous tue. Il n'y a pas que fort aux fesses. Hein? Parce que quand tu prends seulement un gars qui est fort aux fesses, après la mine là, tu as parlé de quoi avec lui? Tu vas t'ennuyer. Hein?
tu vas t'ennuyer. Soit avec un gars que tu as vu avant d'aller au théâtre, vous allez au théâtre, vous allez au cinéma, vous parlez des vraies choses, vous regardez les débats à la télé. Voilà. Des vraies choses de la vie. Voilà. Parce que ces gars-là, maintenant, c'est l'anguilla sauvage. Oui, ouais, mais ça, c'est tout parce que vous êtes allé loin à l'école comme ça. Il vous faut seulement les gars sauvages comme ça. Ah. Il y a d'autres délires dans la vie. Hein. Il n'y a pas que l'anguilla. Ah oui, oui, mes chers. Il n'y a pas que l'anguilla délirée ou bien. Voilà. Il y a d'autres choses dans la vie qui sont stimulantes et tout, il n'y a pas que la mbinda. Quand tu as fini de mbinda avec le gars là qui t'a bombardé, papa, tchouk tchouk tchouk, pendant 45 minutes, il t'a mbinda jusqu'à. Tes là sont même que vraiment, c'est déjà sexe, il t'a même déjà blessé parce que c'est des gars sauvages. Il y a encore quoi? C'est toi qui as marché pendant 2 jours comme ça que tu as mal là-bas en bas. On va débattre des choses comme ça parce que c'est important. Donc je disais à ces gars, tantôt que vous êtes des pervers narcissiques, arrêtez de fucer les femmes. Sachez que ces femmes-là sont intelligentes, ce sont des battantes. Et une fois qu'elles vous ont viré de leur vie, elles vont refaire leur vie. Oui. Parce que vous n'êtes même pas nombreux, vous êtes peut-être 2% dans la population, vous n'êtes pas nombreux. Juste que les filles n'ont pas souvent la chance de tomber sur les 2%. Parce que de nos jours, les gars sont bien. Ils ont leur vie tranquille. Mais c'est les vous comme ça qu'on voit, vous bougez partout. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous humiliez et tout, machin, nanana, blablabla. Vous filmez les filles, vous venez. Oh, putain. Mes soeurs, arrêtez aussi. Quand tu avais un gars, un homme qui t'insulte déjà, ma chérie. Un homme qui se chamaille avec toi. C'est pas bon. Un homme qui veut déjà te montrer que c'est ce que lui dit que toi tu dois écouter, ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il va te dominer. Il va te dominer. Et c'est pas ça. On nous apprend, on va dire que oui, voilà, on est deux. On nous apprend à respecter nos hommes, certes, mais un homme ne doit pas te dominer. Nous sommes au 21e siècle. D'accord? Donc tu as ton mot à dire dans ton couple. Si tu commences à laisser que c'est comme tu fais ton lit que tu dors, si dès le départ tu laisses au gars tout faire, machin, tu, c'est pas demain que tu vas te lever que non, moi aussi je veux faire ça. Non, tu l'as déjà habitué. Tu l'as habitué que dès qu'il te dit que regarde-moi la sale chose aussi. Tu pars, tu t'assois. Tu lui fais pas quand même à manger, tu sais. Tu vas s'habituer. J'ai des femmes qui m'écrivent que leur mari, comment ton mari peut insulter tes fesses. Tu avais vu. J'ai vu une femme dans une émission hier, je crois. Elle est passée dans une émission là au Cameroun. Elle expliquait son histoire. Elle a fait les enfants avec un gars qui la tapait, qui la violait même. Franchement, tes filles. Comment tu peux être avec un violeur? Comment tu peux vivre avec un violeur? Comment tu peux être avec quelqu'un qui ne te respecte pas? Réveille-toi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Tu vas être avec un violeur, tu vas être avec quelqu'un qui te... De tout, tu vas finir malade. C'est ce que tu veux. Tout ça dans quoi? Je ne veux pas laisser mes enfants, je veux rester à cause de mes enfants. Tes enfants, tu pourras même mourir là. Et ton mari va continuer sa vie, il va prendre une autre femme qui viendra même maltraiter tes enfants. Donc les filles, c'est comme tu fais ton lit que tu dors. Voilà, donc c'est des choses comme ça dont nous débattons souvent. Parce que c'est important. Voilà. On n'a pas dans la vie, le blog camerounais doit changer. Il n'y a pas que les clashs, il n'y a pas que les insultes, il n'y a pas que les dénigrements et tout. Ceux qui veulent rester dans le dénigrement, dénigrer les autres, se mêler des histoires des autres dans l'espoir de cueillir des étoiles, machin, tout ça les regarde. Voilà.
Mais moi, je ne vais pas rentrer. Je vais plus rentrer dans la boue parce que je pense que j'ai assez pataugé dans la boue. Là, j'ai du mal d'ailleurs à enlever cette boue sur moi. Mais grâce à Dieu, j'aime laver. Même avec l'isop. Oui, il y a les savons à l'isop ici. Ça coûte 6 euros. Voilà. Dans la Bible, c'est écrit lave-moi avec l'isop et je serai pure, blanche comme la neige. Oui, il y a les savons à l'isop. Tu te laves. Ça va t'enlever la boue. Ça va plus vite que le vent. Même si c'est une boue mystique, elle va partir. Aura. Parce qu'à part Dieu, là, il ne voit pas quelqu'un qui va décider de ma vie ici. Voilà. Donc, c'est ça, mes gens. Donc, on parlera. Voilà, je lance un petit direct comme ça, de temps en temps, et puis ben, on discute. Voilà, on parle comme ça. Et tout. C'est là que j'ai une idée. Coucou, Laura, tu vas bien? Oh, ma Canadienne, tu vas bien? Voilà, les villageoises qui me suivent là. Ça, c'est un digestif, ça se sirote. Tranquille. On ne voit pas ça, comment on boit la bière que... On a vu l'autre, avec la bière, un coche. Ouvrir la bouteille de la bière avec les dents et puis boire con. Et vous venez m'insulter. Nous sommes du même acabit. Voilà mes gens, hein? C'est mon dimanche après-midi. Il est 13h. 13h30. Il y a un faux soleil à Paris aujourd'hui. Là. Ah, sans les vacances, je vais aller chercher Anne en semaine. On a nos 2 semaines en amoureux. Coucou Emma, tu vas bien? Merci pour les cœurs. Merci ma Coco Gang. Grâce à vous. La vraie Coco Gang, le vrai gang, le gang des intellos. Méfiez-vous. Nous ne sommes pas nombreux. Voilà. Mais c'est que des bonnes personnes. Nous sommes suivis partout. Partout dans le monde. Nous sommes suivis. C'est-à-dire que vous avez des gens, ils ne cliquent pas pour entrer dans le direct, mais ils suivent à la fenêtre. Ils suivent. Hein? Ah oui, oui. Les gens aiment mon émission. Et je sais que beaucoup de gens attendent de voir si elle va encore entrer dans les clashs. Attends, Joanna, je vais leur apprendre qu'on ne fait que commencer. Ça, c'est l'engrais en matière. Voilà. On va leur servir du chaud. Donc, ils nous suivent comme ça. Ils ne rentrent pas dans les directs, mais ils nous suivent. Et ils sont très en colère parce que je me suis mélangée, même ma propre famille, je sais. Alors qu'elle fasse vraiment, moi je reste sans rien me provoquer. On provoque, on insulte, mes plats me tuent, on m'insulte, et il faut bien qu'elle me défende. Légitime défense. Beaucoup de gens sont là. Les sales blogueuses là comme l'autre truc, elle va toujours venir me provoquer en espérant que je vais répondre. Et ma chérie, bisous, je t'aime aussi, que Dieu te bénisse, hein. Que Dieu te bénisse, bisous ma princesse. Vous savez, vous avez les gens à la Coco Gang, les gens n'ont pas besoin de mentir. À la Coco Gang, c'est des personnes sincères. Donc quand quelqu'un me dit je t'aime comme ça, je sais que c'est sincère. Parce que les gens commencent à peine à me découvrir, à découvrir le personnage qui a été peint. Moi je vous dis, hein, ça fait, on va dire quoi, 2009, donc on va à 14 ans sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur YouTube, vous allez trouver les vidéos. Moi j'ai toujours eu un standing de vie et autres. C'est juste parce que depuis 2 ans, j'ai accepté une proposition, comme la dernière proposition que j'ai acceptée, toujours parce que je pars dans le truc où mes soeurs et frères camerounais, j'ai plus les moyens comme avant, j'ai besoin de lancer
une marque de fumaison, j'ai besoin de lancer mes condiments, j'ai besoin d'être dans un endroit calme où je vais écrire. Au départ, on s'entend bien, mais puis quelques temps après, voilà, ça part en couille. Mais c'est des choses qui arrivent. Même avec les enfants de même père, même mère, ils ont des problèmes. Mais moi, c'est surtout que j'ai quelque chose que je dois faire, quelque chose de grandiose, quelque chose qui fera avancer la gastronomie camerounaise. Donc, ça ne va pas être facile parce que le diable est là pour nous mettre les bâtons dans les roues. Oui, pour que la gastronomie camerounaise continue de rester derrière. Je sais, j'ai compris. Je sais. Parce que quand vous regardez même ces gens-là, on vous dit que vous avez eu quelque chose avec vous. Ça part d'une boutique, d'une connerie. Et dès que ça part comme ça, bam, je perds non seulement du temps, je perds des affaires comme j'ai perdu. J'ai perdu du temps. Et le temps, voilà, 3 années hein, que je viens de perdre comme ça. Hein. Ah ouais, c'est 3 années là. J'ai perdu un ordinateur avec plus de 400 recettes écrites. Hein. Je dis qu'il faut réécrire les recettes. Là, je viens de perdre 3 mois. Ah ben, on va à 3 mois là. Et tout. Donc, il faut que je vois qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi, all this? C'est pour ça que je suis allée m'asseoir à Lourdes 40 jours. J'ai dit que je brise ce lien karmique-là. Je le brise dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Je brise cet esprit de stagnation qui est entré dans ma vie depuis quelques années. Je brise tout ça, je casse, je détruis, j'anéantis, je refuse et je rejette ça. Et c'est ça qui est ça. Ah oui, parce que vous voyez, les fumaisons, si j'avais commencé à faire les... C'est pour ça que vous allez vous créer les business 6 mois après vous déposer les bilans. Ah oui, si je commençais à fumer le poisson là-bas à la grange là, et le poulet, vous deviez tous passer les commandes aux États-Unis, au Canada, partout en Europe et tout. Les fumaisons de coco, pourquoi lancer les fumaisons? Quelque chose qu'on attend tous depuis des années. Et que j'avais ce problème-ci. Vous m'aviez déjà avancé l'argent. L'argent que j'allais déjà dépenser et tout. J'allais faire comment aujourd'hui? Il fallait vous rembourser l'argent. Et si je ne remboursais pas, on m'aurait ramené sur les réseaux sociaux, m'insulter et tout, me traiter de tous les noms. Donc c'est Dieu même qui a voulu que je n'ai plus à prendre l'argent des gens. Et il a gâté, il n'a pas lancé les fumaisons, il n'a pas marché. Donc, à quelque chose de malheur. Donc, quand je vois les gens venir me dire là que machin, nanana, il dit que mais vous ne comprenez même pas. Le Seigneur m'a montré avant. Oui, là, ça allait être un dépôt de bilan illico presto. Ah oui, donc le Seigneur m'a montré afin que je ne puisse même pas commencer cette affaire-là parce que ce n'était pas bon. Donc, vous pensez peut-être que le problème que j'ai eu avec Lorraine là, c'est un truc bien machin et tout. Mais non, c'est Dieu qui a voulu que j'ai ça. Que je ne lance pas ça pour le moment. Et c'est comme ça. Parce que comme tu es enfant de Dieu, si Dieu dit que tu vas faire quelque chose là, il va t'ouvrir la porte, ça va commencer là, 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 et tu vas faire ça. Mais si tu vois que tu as envie de faire quelque chose, ça tourne, ça veut dire que Dieu n'a pas encore décidé que c'est le temps. Ça veut dire que le temps de faire cette chose n'est pas encore arrivé. Et c'est ça. Je suis dans une autre dimension de spirit. Ah oui. Je suis partie là-bas pour fumer les poissons, le poulet et tout, lancer ma marque. Je n'ai pas pu lancer, c'est bon. Donc ne venez pas me dire que oh, j'ai ma chance, j'ai ma chance. Non, je n'ai aucune malchance. C'est pas encore le moment. Point à la ligne. C'est comme ça. Voilà. C'est ça qui est ça. Donc ça veut dire que je dois encore bien travailler mon projet. Bien encore voir si je ne peux pas revisiter. Que voilà, c'est mon plan. Je veux vraiment le fumer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque peut-être dans un truc pour ajouter ou bien un ingrédient. Tout ce que Dieu fait, c'est comme ça. Donc moi je suis dans cette dimension de spirit. Ah oui mes gens. Coucou Emilienne, Bebekiri, tu vas bien? Emilienne et son bar.
Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Et mûrissez vos projets. Parce que je vois les filles ici que dès que tu as un peu d'argent, hein, tu es à partir en Turquie, tu es à partir chez les amis, tu es à partir machin, tu as déjà machin et tu es tout là. Mais ce n'est pas parce que les autres font un business, comme je vois le business d'une Jiangsang. Ce n'est pas parce que l'autre fait le business d'une Jiangsang que tu penses que toi aussi tu peux aller faire le business d'une Jiangsang que ça va marcher. Non. Crée autre chose. Fais surtout quelque chose qui te plaît. Les filles, arrêtez un peu le Jiangsang. Comment le Jiangsang? Moi, je ne peux pas vous encourager dans ce business parce que le Jiangsang, regardez les filles qui sont même moins âgées que moi qui font le Jiangsang. Vous avez vu l'homme, les parties de position partout, mais regardez mes mains en 49. Et en plus, je travaille dans la cuisine. J'ai toujours les mains dans l'eau. Vous avez vu mes mains en 49 ans. Vous êtes là avec le Jiangsang que vous mélangez et tout. Nous, on a vu, vous voyez mélanger son Jiangsang là-haut au Cameroun, à Bonabéry. Et tout, maman. Hé, hey. Oui, tu me regardes dans les fumes, ma soeur. Aïe. Tout ça, ça dit, ça c'est. Ça, on vous vend le cancer. Les filles. Est-ce que vous avez déjà vu une peau qui a brûlé à cause du Jiangsang ou bien une peau qui est malade à cause du Jiangsang? Ce n'est pas parce que tu as ça à côté. Faut le caribou, j'arrive. Jusqu'à elle est claire. Et même, elle va te mentir parce que certainement elle s'injecte même le kénacol. Parce qu'on m'a raconté que les filles s'injectaient le kénacol. Et tout. Tu sais, elle n'est pas avoir un organisme qui supporte les injections et toi pas. Tu vas aller te faire injecter, tu vas commencer à avoir les problèmes de santé et autres. Je ne sais pas comment vous conseiller sur l'affaire de Jiangsang. C'est pas parce que l'autre, elle a peut-être la peau que comme elle a fait le Jiangsang, ça lui va bien et tout, que toi aussi tu vas aller faire et que le Jiangsang va t'aller. Arrêtez même le Jiangsang les filles. Dieu t'a créé moi. Il t'a créé comme tu es. Et tout, accepte-toi. Accepte-toi tel que tu es. Accepte-toi. Dieu n'aime pas ça. Parce que tu as créé noir, toi tu veux devenir blanc. Tout ça parce que tu as vu que hein, c'est la couleur qui passe. Que les gars vont t'aimer plus et tout. C'est des conneries ça. Il y a des gars qui aiment les filles bio. Celui-même qui te conseille, hein, les hommes qui font d'avoir le Jiangsang, vraiment. Au tout cas, elle va un Jiangsang, je te salue. Hey! Il vit même encore celui-là. Comment un homme peut faire un Jiangsang? Un Jiangsang, Même ils sont dans leur direct, ils me cochent comme ça. Donc de temps en temps, quand je fais mon direct et que je pense à eux, je coche aussi un peu comme ça, mais sans rancune. Hein. Un homme qui frôle le Jiangsang est une couille molle. Les filles, vous dites quoi, vous qui êtes avec les hommes qui font le Jiangsang, ce sont les one minute men. Éjaculation précoce. Là-bas en bas, là, c'est le bobolo, c'est le miondo. On sait que les gars qui ont les petits bobolo miondo, là, ils accouchent aussi beaucoup d'enfants. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de là-bas. Mais un homme qui fait le Jiangsang est un one minute men. Éjaculation précoce. C'est une femmelette. C'est une chienne. Voilà. C'est ça qui est ça. Comment? Un homme africain. Famille va sonner une virile. Comment? Quand nous on a regardé les films de Kunta Kinte, même à l'époque de l'esclavage, là, quand on dit que on voyait les Africains qu'un Africain bien noir. Bien là. Parce qu'ils travaillent au champ. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les vendait. Parce qu'ils étaient très forts, ils étaient naturels. C'est quelle histoire que vous avez vu maintenant aux photos de Jiangsang sur vous. D'autres défrisent même les cheveux. Mettez-moi un peu le nom d'un qui défrise les cheveux. Qui défrise encore les cheveux là? C'est toujours lui des FAO qui défrise les cheveux. Mais tu es le seul, mais toi seul tu as tout. Tu défrises les cheveux. Tu fais le
garçon. C'était bon, monsieur ? Oui, c'est bon. C'est terminé pour le moment, je vous laisse. Non, laissez. Magnan. Un demi là, bon, moka. Wanda wa bon amo ba se ba mi abon e ban gallan na ke ma yan ko mi wa chite ba se ban gallan ma ni do le la ban sa ma bon jide ba mena koshi ni te wa to eh mba nyo ba mo bi na nga bodo ayo so ki ne ko sa ma si de minta eh minta no te minta na pe bodo oui Nous sommes d'abord, nous sommes des personnes très intelligentes, bien et tout, mais on aime les problèmes jusqu'à là. Il ne faut pas nous chercher. On ne cherche jamais, mais quand tu nous as cherché là, on se trouve que sur l'occasion. Voilà. Ceux qui connaissent pas le nom de Minta, ils vous donnent Minta, c'est au Bordeaux. Bordeaux natal. Voilà ma soeur, mamie, en bas d'elle là. Bordeaux, je suppose que dans vos petits, dans vos villages, dans vos bleds aussi, vous aviez des petits noms que vous donniez. Nous, Minta, c'est Bordeaux. Oui, oui. Quand tu rencontres, je suis de Bordeaux. Voilà. Notre petit coin là. Là, c'est le vin. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Comment ? Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je voulais juste, parce que quand vous avez servi, j'ai vu. Non, j'ai vu que c'est un grand verre. Je n'ai rien dit. Non, j'ai dit, j'observe. Ce n'est pas le sou qui me manque, monsieur. C'est une question monétaire. Je voulais juste. Si vous voyez, C'est ça, ils disent souvent à mes petites lapins, maman. Habillez-vous bien. Sortez. Montrez à vos ennemis que vous vivez. Oh, ça les énerve jusqu'à. Aïe, maman. Vous allez voir mes ennemis là vont pondre les statues. Sur moi jusqu'à. Même 20 statues en une heure. Non, même pas une heure. 20 statues en 20 minutes, 30 minutes. D'autres vont lancer les directs, mais j'aime ça. J'adore cet effet. J'adore cet effet que je vous procure. J'adore. Mon deuxième rang, ma vie. Après, c'est rang. Alors, à tous les restaurateurs qui sont connectés, c'est comme ça que vous devez servir les apéritifs dans vos restaurants. Dans des verres comme ça.
Dans ceux qui sont un peu plus grands, c'est pour le cognac et l'armagnac. Et quand vous servez, mettez toujours un morceau de sucre à côté, parce que vous avez des clients qui aiment bien rajouter un morceau de sucre dans leur digestif. Ça, c'est du Grand Marnier, donc pas besoin de mettre, de rajouter un morceau de sucre à côté. Et c'est des petits morceaux de sucre en carreau. Voilà, ne prenez pas les gros morceaux de sucre sauvage. Donc pour vos digestifs, pour le cognac, pour les digestifs, genre du Jet 27, du Cointreau, et comme celui-là, vous prenez ces petits verres. Ces petits verres, ils ne coûtent pas cher du tout. Donc vous les prenez chez Ikea ou vous cherchez sur Internet. Donc j'en ai marre du genre, quand je vais dans un restaurant africain, on vient me servir, quand je commande un digestif, on me sert dans un chargé comme ça. Franchement, ça ne vous coûte rien d'acheter les verres adéquats. Acheter des verres à eau, verres à vin, short drink, long drink, verres à digestif pour femmes, verres à digestif pour hommes. Voilà. On apprend tout ça à l'école. C'est comme ça qu'on vous dit, ne pas faire les choses dans le plat. Le tout faire, vous faites n'importe quoi. La gastronomie africaine doit changer. Changeons tout. C'est vrai, je suis différente. Je suis unique dans mon genre. Et tout. Mais les filles, je ne comprends pas. Prenez ce que je vous apporte. Voilà. Ne regardez pas mon côté que j'ai la grande bouche. Vous prenez ce que je vous apporte de bon. C'est ça la vie. Dans la vie, là, devenez intéressé. Voilà, c'est intéressé. Vous dites que Coco, on s'en fout de la grande gueule de Coco, on s'en fout de ce qu'elle fait. Nous, on prend ce qu'elle nous apporte de bon dans la vie. Donc, je vous apporte psychologiquement, intellectuellement, financièrement, je ne peux rien vous apporter parce que moi-même, je suis dans une merde financière, je n'ai pas honte de le dire. Voilà, donc financièrement, je ne peux rien vous apporter. Mais je peux vous apporter intellectuellement, psychologiquement. D'accord? Voilà. Et ça, c'est déjà très bien. Donc, ne serait-ce que pour ces deux choses-là. Vous devez m'aimer, vous devez me respecter. Voilà. Je ne demande pas de faire des courbettes et que vous me respectez au moins le fait un jour une recette, vous avez plus de 1000 recettes là-bas. Tous les jours, vous pouvez changer de menu dans vos familles et tout, grâce à moi. Ne soyez pas ingrat. Moi, ça, je vous apporte. Et puis là encore, je vous donne des conseils et tout, mais Marie, voilà, comme ça. Voilà, dites-moi que non, la vie, là, m'apporte quelque chose dans ma vie. Hein? C'est quoi? C'est toi qui es sur ma page tous les jours. Mes conseils, tu prends John. Mes recettes, tu prends John et tout. Mais c'est toi qui viens à faux profil m'insulter. Hein? C'est pas gentil. C'est pas gentil. Voilà. Dans la vie, il ne faut pas être ingrat à ce point. Tu es là que dans ta maison, on mangeait avec. Tu servais, tu posais les mamies sur la table. Hey, t'as dit, pas toi. Mesdames, arrêtez de poser les mamies sur les tables. Non, pardon. Votre pays, vous tuez les gens là. Qui vient dans votre pays là? Vous tuez les gens, vous empoisonnez les gens là-bas. Viens faire quoi là-bas? Vous tuez les gens, vous tirez sur les gens, vous découpez, vous défoncez les arrières comme les gens. Viens faire quoi chez vous? 10 ans, je ne suis pas venu, ça ne me manque pas. Votre pays où j'ai tout fait. Je me suis de pauvre, je suis là, c'est passé. Tout l'argent que j'ai, je prenais au blanc et venais mettre dans votre pays là-bas. C'est rien faire quoi avant. Et c'est moi là, mon niveau là, que je suis là, que je parle avec mes Camerounais, mes compatriotes Camerounais comme ça là sur Internet. C'est tout ce qui reste de moi que Cameroun. Voilà. C'est tout là. Ce que vous et moi on partage là. C'est tout. Non, il ne rêve plus de rien. Cameroun, même si copine bien, me dit qu'elle a les milliards au Cameroun. Parce que c'est comment là, ça a fini. Bien fait là-bas. C'est pas tout sur Internet. C'est que sur Internet, on peut me mélanger. Sinon, monsieur, voilà.
tu as commencé. Moi, depuis 24 ans, j'ai ouvert mon premier magasin. J'ai 49 ans aujourd'hui. 25 ans. Vu que tu n'as pas de logement en France, il faut rentrer. Donc, comme je n'ai pas de logement en France depuis quelques semaines, ça veut dire que ma vie en France est finie. Je dois me lever comme ça pour venir au Cameroun. Une fille que quand elle vient au Cameroun, elle a les millions de elle. Moi, je dois revenir au Cameroun, je n'ai pas un franc. Pour commencer à aller mendier dans les bureaux des gens. Comme ici, quand j'arrive, on me regarde d'abord comme ça, que tu es venu avec les nids et tout. Je suis quand même une fille, hein. Je suis digne. Hein. Je viens au Cameroun si j'ai mon argent. Si je n'ai pas, il ne vient pas. Pour moi. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, là, il ne peut pas manger, il ne peut pas dormir à la rue. Il ne peut pas être au niveau où tu penses là. Donc, mieux, je suis ici. Mon fils est ici, donc 7 ans, il a besoin de moi. Il vient au Cameroun. Hein? On va me tuer là-bas, on va m'insulter, on va ajouter les problèmes à mes problèmes. Si je suis venu au Cameroun avec les millions, on m'a fait. Si maintenant je viens, il n'y a pas un franc, on va faire. Mais on va se marier, m'enterrer dans mon village là-bas une fois. Même pas en rêve, ma soeur, ne pas me proposer des choses comme ça. Je ne souffre pas comme tu penses là sur les réseaux sociaux, comme on a dit. J'ai accepté cette proposition de mes confrères camerounais parce que je voulais lancer et la marque de mes condiments et la marque de mes fumaisons. C'est une maison qu'ils n'utilisent pas. Voilà. S'ils ne m'avaient pas proposé, j'aurais déjà trouvé une location. Ça coûte rien. En région parisienne, 1000 euros. J'ai une maison. Ce n'est pas 1000 euros qui peut me manquer par mois pour payer un logement. D'accord? Voilà. Ça fait trop lourd, il y a même quoi. Rwanda. Hey. Ça est Rwanda maintenant. Parce que quand tu me vois, même le piment que les autres vendent, elle peut aller vendre le piment. Pour gagner mon argent. Hey. On a une gars sexy comme moi, comme ça, là, que j'ai tous les athées, tu ne fais pas quoi. Hey. 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 Si ça ne va pas, il va appeler un baba bon et dit que hey, avec tes plumes sur le visage, là, je pense que tu as un camion qui est libre là, dans une forêt là-bas en Normandie, elle est venue vendre le piment. Quoi, quoi. Elle me donne les camions parce qu'elle a les camions. Cette sorcière là. Bon, poubelle va bon. Dans mes directs, chacun va prendre les balles perdues. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, aussi, parce que vous êtes réunis pour me faire. Donc, ma seule thérapie là, c'est quand je fais le direct comme ça, que voilà, si c'est parti comme c'est parti, je suis pas bon là, je peux m'attarder sur elle une minute, de la lave, après elle passe. Je reviens sur le sujet normal. C'est comme ça, vous allez sauf que me supporter comme ça. Parce que vous avez voulu me traumatiser en bain. Voilà que les gens se lèvent, ils sont sûrs que moi en bain. Je suis tellement dans la merde que. Il faut que. Je suis à mère quand même. Je suis à mère quand même qui est venu là-bas pour faire les poulaillers, qui a commencé à élever ou ces deux ou trois poulets. Mais bon. Je ne suis pas à son niveau parce que moi, mon père a laissé un agrément. Hein. Ah oui, je suis une héritière, comme vous voyez là, mon père a laissé un agrément forestier. Je vais aller voir la personne qui utilise ça et dire remets-moi l'agrément de mon père. Je loue au Libanais, on me donne la yale pata à mes demi-frères et soeurs. Donc je ne suis pas à votre niveau. Les terres, j'ai. D'accord? Avec l'agrément là, moi-même, je n'ai pas cher ici à moteur et tout et tout. J'arrive au Cameroun, je n'ai pas cher tonton, on me sort tous les papiers qu'il faut. Je commence même aussi à couper le bois au Cameroun. Vous pensez que nous sommes au même niveau? Je viens au Cameroun. Mais quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait au Cameroun? Parce que les gens sont sur Facebook, ils ne connaissent même pas mon parcours. Donc quand ils disent que oh, grand temps en Bénin n'a jamais rien fait, maintenant marchant est juste parce que il y a 3 ans, j'ai accepté la proposition de Cyclone et son épouse. Et que le Covid m'a coincé là-bas. Nous sommes restés 1 an et demi dans le Covid. Et quand le Covid est terminé, j'ai eu les points avec les dix. Je suis sorti. Je suis allé vivre 1 an au Luxembourg. Et je reviens en région parisienne en été. Et j'ai accepté une proposition où je suis seulement resté 1 mois et demi dans la maison. Mais c'est comme si depuis 30 ans que je suis en Europe.
il n'a jamais eu de maison, il n'a jamais de quoi. Un client vous dit qu'elle a amené les conteneurs au Cameroun, elle a monté les restaurants des millions et tout. Donc vous pensiez que pour monter tout ça et tout, elle dormait à la rue, qu'elle n'a jamais rien fait. Je ne pense pas qu'en Suisse ou en Europe, il y ait une fille qui aide la communauté camerounaise comme moi. Aller à Lausanne, je suis un mythe. Vous n'allez jamais voir quelqu'un dans la vie normale venir m'insulter. À part les faux profils qui sont frustrés par la dimension de vie que j'avais qui viendront là quand je suis en direct comme ça pour parler. Vous parlez quoi? Mais. Même quand mes copines qui ont l'argent me disent que viens, on a monté et tout. Moi, elle devient Tida. Mon frère, mais le monde en avait. Même que les gens qui marchaient avec moi, ils ne les avaient jamais considérés comme Tida. Donc moi, à 49 ans, elle est venue devenir une Tida. Que moi, je pars au Cameroun, je marche avec les gens, ils portent leur sang. Et tout. Pourquoi on me donne, pourquoi on achète et tout. Moi, mon imbali, Ablanilo, Ndalalembe, maintenant, je ne suis pas né, je deviens une Tida. Ou bien que je descends au Cameroun, je n'ai pas l'argent de dire que. On m'a dit que hein, la ville a dépassé. En France, elle est revenue au Cameroun. Quelqu'un m'a même dit que hein, tu as conçu la maison au village, il faut recréer. Et Dieu. Quelqu'un m'a dit que ouais, tu as conçu la maison au village et tu faut rentrer au village. Et... vous riez même quoi? Quelqu'un est venu me dire. J'ai conçu une maison et bâti une maison à l'honneur de mon frère. Quelqu'un vient me dire que, comme la vie me dépasse en France, parce que selon où il a dit sur internet que la vie me dépasse en France, comme j'ai une maison au village, il faut que j'aille m'asseoir au village. Ah oui! Oui! Mais j'en voulais même quoi. Les réseaux sociaux, elle me fiait ou les réseaux sociaux? Le père qui vient me dire que rentre comme c'est parce qu'il est persuadé que en Bengalement un peu plus. Oui, c'est persuadé que je suis fini comme il dit sur les réseaux sociaux, que oui, c'est fini pour moi, un beau rien que tout. Quand tu m'as vu, je ressens à une fille que la vie peut dépasser un peu. Et je n'ai pas de charge. Mon fils est chez son père. Son père est agent général d'assurance. Ce n'est pas une, deux, ce n'est pas quoi. Quatre assurances propriétaires. Il n'est pas que l'enfant avec n'importe qui. Mon enfant est là-bas tranquille. Là, comme c'est les vacances, il va le point de départ de deux semaines avec lui tranquille. Il prend encore, il ramène chez son papa, il va à l'école. Il a dit, je ne souffre de rien où je suis, il n'y a aucun problème. On va parler de quoi? Ça peut me dépasser. Ici, en Belgique, nous avons les mêmes problèmes. Ah. Parle que pour rentrer au Cameroun. Fais quoi? Au Cameroun là-bas, que voilà. On fait tout ce que nous on voit sur les. Moi, je vais venir là-bas. Vous voyez même quoi, les gens? Voilà, même quand même, qui est venu là-bas, que, hein, il vient. Il a fait le poulailler et puis il a commencé avec trois poulets. Il nous montrait, après il est parti dans la forêt, il fait derrière les champs, machin. C'est ça que voici qui est revenu ici en Bengue. Amen, quand même, en passant hier, j'ai croisé un gars que tu as insulté dans le direct, un de mes petits là, un patriote. Tu sais où il travaille? Tu ne peux même pas savoir où il travaille. Il travaille à deux pas de Matignon. Ah oui, oui, c'est lui qui a les clés. C'est lui qui a fermé quand nous sommes sortis. Vous avez vu où je suis sorti hier, où j'ai dîné hier? C'est un Camerounais qui a les clés. Un petit gars, il était son nom. Oui, c'est un patriote. Toi, mais quand même, tu l'insultes. Tu connais la dimension où le petit là ici dans Paris, où il travaille. Il a les clés. Il est le chef. Voilà Matignon. Le voici ici. Tout là. Rivoli, tout ça était. Camerounais qui contrôle tout ça. Mais vous allez le voir sur Facebook. Vous allez commencer à l'insulter avec les sales insultes. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Quand je l'ai vu hier, parce qu'en fait, nous, on était les derniers à sortir. Donc, comme c'était samedi, donc on a pris un hitch. Et vous savez, le week-end à Paris, les taxis sont occupés. Donc, le taxi prenait du temps à arriver et tout. Donc, le temps qu'on attendait, tout le monde était les derniers, tout le monde était parti. Vous savez, bon, les Africains, nous, on aime bien prendre notre temps et tout.
quand on sortait. C'est tout. Je vois, il nous parle poli, oui. D'accord, oui. Le taxi est là, mais vous savez, il ne peut pas se garer là-dedans. Il allait se garer là-bas et tout et tout. Après, je regarde et je dis, hé. Il dit, hé, papa, tu fais quoi ici? Hé, hey, coco, il a crié. Il lui dit que tu travailles ici. Je regarde sa tête. C'est pas sécurité, c'est lui. Parce qu'au niveau de là-bas, là, c'est pas les sécurité, c'est les trucs. Comme les pompiers, qui est tout qui garde. Et t'es lui. Il est dans. Donc toi, mais tu as insulté ce petit gars-là. Tu sais de qui il parle. Il te dit donc que voici où Macron habite. Voici où le gars travaille. Et c'est le chef. C'est lui qui a les clés. C'est lui qui ferme les enquêtes, les portails que vous voyez. Tout la machine. C'est lui qui ferme tout ça. Mais vous allez l'insulter sur Facebook et tout. Parce qu'il a décidé d'entrer dans le combat. Et tout. Il lui a dit d'enlever son pied dedans. Oui, enlève son pied. On vous laisse parce que vous confondez les histoires que vous avez les petits marchés fictifs au Cameroun. Les plombés, les vieux là-bas qui pensent que vous êtes les ministres et tout. Celle de Gilles Chapin. Bon, vraiment. Ton visage est tellement affreux que c'est pas la peine que je m'attarde sur ton visage. Bonobo. Tu connais le bonobo? Tape sur Google. Bonobo, tu le sens au bonobo. Le Njang sang refuse. Tu as vu pourquoi le Njang sang refuse. Le Njang sang te refuse. Hein? Même le filtre refuse. Ce n'est pas les captures d'écran que tu allais prendre l'autre jour quand j'étais paniqué, que je viens d'échapper à la mort. Que tu prends. Mais toi, quand on te voit, même quand tu fais le sport, et tu es tout comme maintenant, tu as dit que tu fais le sport. Malgré les injections que tu as envoyées chez ma propre petite soeur pour faire les injections ici à Paris, vraiment, tu as refusé ta boule. Bonobo, maman. Fusion de chimpanzé, gorille et singe. C'est ton visage. Massa, suis-moi. Apparemment, tu me prononces dans tes tirettes. La mère. Si je m'attriviens, tu le réponds. Si je m'attarde sur celle-là. Valen Gaké était frustré. Mais j'avais une dimension. Hein. Mais j'étais une petite fille insolente. Mais je n'insultais pas les gens. Au contraire, quand j'entrais dans un milieu où il y a les Camerounais, je fais à boire à tout le monde. Si j'entre dans une épicerie, je trouve les mamans là. Je leur dis, les mères, prenez tout, poisson, ce que vous voulez manger. Elles font chacune des courses, je paye. Je offre à boire, rentre chez elles avec les sacs pleins. Même si celle-là est venue avec son argent pour faire les courses, dès que Coco entre, elle partait toujours le samedi parce qu'elle savait que Coco passe toujours le samedi. Donc elle s'assied là, elle m'attend. Et quand j'arrive, je dis, faites vos courses. Elles font leurs courses, elles remplissent, je paye. C'est ça que vous pouvez pas me tuer. Je ne peux jamais souffrir. Parce que j'ai donné. Et pourquoi? Parce que j'ai été élevé par un monsieur qui m'a appris à donner. C'est pour ça que je ne peux jamais souffrir, mes gens. C'est ça. Donc faites du bien. Faites du bien dans la vie. Si vous faites du bien aujourd'hui, là, vos enfants, demain, après-demain, ils comprendront des récompenses. Vous entendez, non? Voilà. Faites du bien. Le bien que tu sèmes aujourd'hui, si tu ne le récoltes pas, tes enfants vont récolter ou tes petits-enfants. Voilà. Donc quand j'arrivais comme ça, je offrais à boire à tout le monde, à manger. J'étais cool, hein. Je suis une fille cool. C'est vrai que j'étais insolente dans mon habillement, dans ma façon. Parce que je ne me mélangeais pas. Je marchais qu'avec les garçons. Oui. On peut être 10 garçons, 20 garçons, je suis la seule fille. Hein, mes lunettes, un habillement bizarre, le cigare dans la bouche. Oui. Je ne parle pas. Quand elle me lève là, je parle, je farote. Elle ne comprenait pas. C'est que beaucoup ont mon macabre. Donc quand elles ont appris que j'ai les problèmes, elles te disent, il faut qu'elles disent, oh, 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 les SFO, oh, 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 elle a fini, oh, elle a mangé sa vie dans les sauts d'archives. Maman, j'ai élevé les gens qui ont les licences, qui ont les bacs, plus. Tu sais ce que c'est? C'est un investissement. Ils sont allés dans les études. Ils ont fait les longues études que je me suis occupée d'eux. Depuis tout petit jusqu'à maintenant. Soigner, habiller, payer les études. Tu sais ce que c'est?
c'est un investissement. Donc vous qui avez payé les études, les gens qui sont aujourd'hui des grandes personnes, même si les personnes vous insultent, vous manquent de respect, c'est pas grave, c'est votre destin. C'est votre destin. N'en voulez même pas à ces gens. Au contraire, si vous êtes mal, concentrez-vous à vous reconstruire parce que ces gens vous ont fait du bien. Parce qu'aujourd'hui, je dis pour moi, je ne suis plus là à fantasmer que si Dieu me donne tant mieux. Je ne suis plus là, oui, non, il me faut un immeuble. Non, il me faut ça. Non, il me faut le million. Non, 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 je veux la paix où je suis là. Je veux un job. J'ai un job. Que la paix, tranquille, on est là, on s'assoit comme ça, on mange la vie, mais c'est ça, on commande notre bon petit vin, notre champagne, on est à deux, après on va faire une belle petite balade, ou on va au cinéma, ou on au théâtre, on est à deux, on fait nos petits trucs, on se chatouille, on se fait les bisous, on se raconte les histoires, vraiment les trucs, il rit, c'est bon. Mais pas de moi les gars là, vous êtes que bandés de salopins, vous êtes assis là sur Facebook à faire le combo, ça à me juger, vous me connaissez. Bandés de villageois, vous avez été élevés dans les cours communes, les hommes vous êtes devenus comme les femmes, faire le combo, ça plus que les femmes. Vous parlez de moi, je vous connais, je ressemble à vos copines, hein, vous parlez de moi, votre combo. Je ne peux pas sortir avec un homme qui aime le Congo ça. Un gars qui est sur les réseaux sociaux, tu as vu l'autre, c'est le gars même qui t'appelle pour te dire que voilà le Congo ça. L'autre a encore été clashé là-bas et tu te dis mais il te grave. Je ne pars où avec toi mon frère. On va seulement tourner le film comme tu vois qu'on tourne le film. Il n'a pas dit tourne le film, moi-même il tourne mon film, mais il n'est pas allé nulle part avec toi. Il va tourner tout mon cerveau, là on va s'exciter, on va se dire les mots gentils et tout machin, tout. Les mots même des bidas et tout. À un moment donné, il va couper. Tu vas même pas comprendre pourquoi j'ai coupé. Parce que je peux t'amener nulle part. Un homme est dans le Congo, ça. Les gars sont devenus Congo, ça. Je ne vois plus vos commentaires. Donc, toi, ma soeur. Tu as trouvé le gars de Tumi, il n'était pas dans le Congo ça. Tu l'as déjà amené à être Congo ça, vu que sa mère ne l'a pas élevé dans le Congo ça. Pourquoi tu l'amènes dans le Congo ça? Et vous les gars, arrachez les téléphones de mon gars. Ce n'est pas normal que tu avais un gars, il ne travaille pas, mais elle a deux fois téléphone. Si elle a déjà deux fois téléphone, ça veut dire qu'elle vend le client. Oui. Donc quand elle te dit que je m'en vais chez ma copine, chez ma tante, elle est partie vendre le piment. Donc tu es con. Donc en quelque sorte, tu es un proxénète. Que tu le saches ou pas, tu es un proxénète. Voilà. Et une vraie fille qui a reçu une éducation ne peut pas se mettre à te raconter. Les blogueuses camerounaises, oh, tu as vu Flora insulter Coco. Ah, tu as vu la Elisabeth de Grémont. Oh, tu as vu la Poupou. Ah, tu as vu le long Fondia. Oh, tu as vu. Dégage là. Dégage. Elle n'est pas de ton acabit. C'est une quartierzade. Passe au quartier. Je veux dire, au quartier, dans les cours communes là, elles sont tuées en train de guetter, l'autre a préparé quoi aujourd'hui, l'enfant de l'autre a porté quoi, l'autre a machin, c'est toujours dans le Congo ça, c'est toujours dans les conneries comme ça. Donc ne te mélange pas, si tu te mélanges à ça, tu es mort. Tu es mort, mon frère. Donc si tu avais une fille qui aime le Congo ça, qui a fond, sauf si tu es idiot sur vous. Mais moi, connaissant les mamans camerounaises, la femme camerounaise, la maman camerounaise, c'est une maman que si tu es parti dehors, tu es parti voir dehors, quand tu reviens, tu dis que, maman, j'ai vu comme ça là-bas, et tout. On appelle ça comment? Chez vous, écrivez le nom. Voilà. C'est avec sa compte de là. Chez moi, on appelle ça une gorgotte. On appelle ça comment chez vous? Que les mamans nous dosent comme ça. Écrivez le nom. On appelle ça comment chez vous? Chez moi, c'est une gorgotte. Maman, on va te doser les gorgottes là. Peut-être ton cerveau va tourner dedans. On appelle ça comment chez vous?
En ta langue maternelle, écris-moi comment on appelle ça. Écris-moi ça. Écris-le avant qu'on continue. Parce que nous sommes dimanche, beaucoup s'ennuient chez eux. C'est pour ça que mon direct, si vous pouvez me faire 5 heures de cause avec vous. Moi-même, ça me permet de finir mon... tranquille. Je suis avec vous, je parle avec vous, on partage. On appelle ça un gogo. Je ne vois pas vos choses. On appelle ça comment je vous. Je ne vois pas vos commentaires. Vous voyez ça là. On te soumette avec ça. Soumater, je ne sais pas ce que c'est mes frères, mes cousins. Je vais te soumater, je vais te donner un truc comme ça. Je ne sais pas si ça existe dans le dictionnaire. Écrivez, on appelle ça comment chez vous. Ça, c'est mon 06. Et pourquoi Voilà, ça, c'est mon téléphone. Pour tout le monde a. Ça c'est mon téléphone personnel, j'ai deux téléphones. Et Koukouara, voilà. Et Koukouara, on est au dos. Ce matin. Mais c'est un mot qui n'existe même pas. Mais ça n'existe. Ça n'existe pas. Mon frère, c'est sous le mat. Mais de ce matin n'existe pas. Maman, nous, on avait des mots dans le dictionnaire. Hein. Quand on était enfant. Si mes cousins et cousines sont connectés, là, ils vont dire bébé, mais ce matin, ou une gongo. Une gongo. Donc, mais ce matin, ça veut dire qu'il va être dosé comme ça. Là. Donc, quand tu sortais comme ça, tu reviens, tu dis à ta mère, on va même d'abord te tirer l'oreille comme ça. Là, que, ben, au linda loin. D'autres même on soulève avec une main parce que les mamans là sont tellement fortes. Elles te tirent l'oreille comme ça, elles te soulèvent, tu sens comment tu pars, comment ça tire ici là, ça te fait même mal à l'intérieur. Après elles te donnent, bah. Donc, tu es parti chercher quoi là-bas. Tu es pas. Donc, hein? donc le Congo ça ne connaît pas. Et un vrai garçon, sa mère lui apprend que si tu avais une femme, que dès qu'elle commence à bavarder, sors. Ne réponds pas. Sors. Il y a un vieux water boire, celle qui ne peut que passer depuis la ligne de guette. Je suis en live avec la copine, c'est comme ça. Ouais, il me donne ma langue et tout, machin, tout. Elle est partie là, elle donne ma carte de visite. Je ne connais pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Ça. Soyez aidés. Non, les gars, ne soyez pas avec ces filles qui aiment le Congo, ça, parce qu'elles vont vous entraîner dedans et ce n'est pas bon. S'occuper des vies des gens, juger les gens que vous ne connaissez pas, médire des gens n'est pas bien. Ça peut vous apporter des problèmes dans vos vies. Donc ne faites pas ça. Ne jugez jamais autrui. Ne mettez pas vos bouches dans les histoires que vous ne connaissez pas. Et sur les réseaux sociaux, faites très très attention. C'est pas ça. Pas parce qu'on t'a dit que non, c'est blanc. Là, je vois comme ça. Là. Si je ne te dis pas que c'est du Grand Marnier, est-ce que tu sauras, non? Quand tu vas voir comme ça, tu vas penser que c'est du cognac ou c'est de l'armagnac. Parce que c'est la même couleur. Pourtant, c'est du Grand Marnier. Hein? Voilà. Donc les gens, je vais vous laisser, je vais rentrer, les blancs vivaient. Depuis que je suis assise ici, je n'ai pas vu une famille de noirs entrer ce dimanche et tout, entrer avec les enfants, et tout, entrer au bord de ça. Donc normalement c'est des choses qu'on doit faire. Oh Nathalie, tu étais là? Tu vas bien? Voilà. On va juste à préparer la sauce nigérienne là. Le coussisou. On va manger ça ce soir. On va aller chez elle ce soir manger le coussisou. Elle a vraiment fait à la nigérienne avec des feuilles.
Merci beaucoup Nathalie, merci, merci beaucoup. C'est éducation. Si tu as un papa qui aimait la belle vie et tout, tu vas continuer dans la belle vie. La pauvreté même va te fuir. Parce que l'enga ici là, elles sont même jalouses de mes petits tocs. Si vous êtes jalouse de mes petites tongs, ça veut dire que vous allez grandir dans les cours communes. Que parce qu'une femme a préparé la sauce d'arachide avec la sauce tomate, hein, avec le poulet, le poisson pour ses enfants. Tu es jalouse. Parce que je ne comprends pas comment tu es une fille, tu ne me connais pas, mais tu es jalouse de ma garde-robe. Il est si vous lui donnez l'argent, elle va acheter les habits, les chaussures et la gros. Tu me connais ma soeur. Tu m'as déjà vu. Que tu viennes sur les réseaux sociaux dire que si on me donne l'argent, moi je vais acheter les habits et les chaussures et la gros. Toi, moi, c'est gros bon jour. Tu m'as déjà vu de ta vie. Il faut arrêter les filles. Tout ça pourquoi? Vraiment pour saboter. Tu sabotes une personne qui n'a rien fait, une personne que tu ne connais pas. Ça va te rapporter quoi? Rien du tout. Tu vas seulement rester, tu vas jubiler que je lui ai fait ça. Et tout. Oui, c'est tout. Ça vous rapporte quoi? Rien du tout. Jusque vous jubilez et tout, mais après, quand vous vous mirez, quand vous êtes devant le miroir, vous dites ah merde, tu as honte. Mais bon, il y a un jugement dernier et chacun sera jugé. Vous avez choisi ça, nous vous l'accordons. Mais ce que certaines personnes attendent, nous, vous n'aurez jamais ça. Parce que moi, au Badonga, vous ne me connaissez même pas où c'est là. Mais je vais vous faire connaître les encas de ma personnalité. Parce que le verso, tu ne peux jamais cerner le verso. Le verso est quelqu'un de bizarre. Même si tu vis 25 ans avec le verso, tu ne peux jamais connaître qui est le verso. Parce que le verso te manque ça. Il te manque ce qu'il a envie que tu vois. C'est tout. Le verso ne va jamais. Parce que vous pensez souvent que vous êtes hypocrite. Le verso est très dangereux. Oui, les versos de la coco gang, envoyez les cœurs pour vous-même. C'est notre moi. Les gens pensent souvent que parce que nous nous sommes gentils, on leur montre notre côté gentil, pensent peut-être qu'on est content. Envoyez les cœurs. Le verso est un être avisé. Donc, quand tu avais le verso t'a déjà repéré parce que tu as dit des mots. Il a enregistré. Tu as eu des gestes. Il a enregistré. Il s'est retourné comme ça. Il a vu ton regard. Il a enregistré. Donc il est déjà prêt. Il est prêt. Et il ne faut même pas. Ça dit une semaine ou deux semaines pour que le verso te saigne. Le verso te saigne. Il est contre le moi, je suis partie rester 40 jours à Lourdes, les gens n'ont pas compris. 40 jours. C'est parce que j'ai vu que merde, tu as pris où là? Tu vas faire comment pour sortir de là maintenant? Prie. Le Seigneur te montre le chemin. Ce qui allait m'arriver était très grave. Ça, c'est rien. Ce qui m'est arrivé devant vous, j'allais avoir pire que ça. Et moi, j'ai dit à Dieu que j'ai en public, sers-toi de moi, Seigneur. Je suis ton témoignage vivant sur terre. Sers-toi de moi pour montrer aux yeux du monde entier que Satan est sur terre. Mais que tu existes.
C'est toi le créateur de toutes choses. C'est toi de moi. Vous avez déjà vu une personne se lever, aller se livrer à Dieu. Je l'ai fait. Vous parlez de quoi? Ce qui m'arrive là, tout vos pompes d'inertie que vous faites là, moi, elle rit seulement. Je connais mon pacte que j'ai fait avec Dieu. Ah oui, oui. Donc vous pouvez pondre sur vos conneries que vous faites, que tout moi j'avais déjà vu. De plus, j'en ai rien à foutre. Parce que tout ce que vous dites là, c'est pas bon. Et je suis dans une autre dimension. Ouais. Ça. Ce soir encore, c'est la fiesta. Donc je vais rentrer tranquille, je vais me reposer. Le mois de février, c'est le mois d'ambiance. Ouais, Erico, je pense à toi. Hein. Ah, ce qui est arrivé à ce L'instant tragique. Mais c'est le seul quand même que tu écoutes sa musique pendant 7 minutes. Hein. Pendant 7 minutes, tu écoutes sa musique non-stop. Quand j'étais belle, tu me célébrais. Maintenant que je suis vieille, tu me jettes. Voilà. Même en combien là, un vieux blanc va me prendre, aller me t'asseoir dans son manoir, me faire manger le foie gras, le caviar, boire le bonbon, le champagne. Je lui livre ça la joie et ma soeur. Je suis à votre niveau. Hey, je suis à votre niveau, les filles. Merci, madame. C'est moi. Je ne suis pas à votre niveau. Vous avez vu le charisme? Hey. Je peux, faire comme vous là, qui m'insultez. Mais encore, vous êtes même avec les poumons. Tu avais un job, sexuellement tu es frustré, financièrement tu es frustré, mais tu as assise là parce qu'on dit que tu avais le wife. Et tout. Hein? Comme tu m'as vu, je peux aussi aller m'asseoir, mais pas avec ton genre de wife. Un wife qui est intellectuel, un wife qui gagne bien sa vie, je m'assois. D'accord? Je me comporte en femme. Quand il rentre du bruit, je trouve, j'ai mis la cravate, j'ai mis le sous-vêtement, j'ai mis les bas, j'ai mis les talons, je suis assise comme ça, j'ai posé le pied là-bas. Je suis à votre niveau. Elle a fini de préparer la nourriture, j'ai fait la table, je suis à votre niveau. Je ne suis pas à votre niveau. Merci madame. Merci beaucoup. Hein? Je suis dans une autre dimension. Vous ne me pouvez pas. D'accord? Je ne suis pas à votre niveau. C'est qui ça? Vous me pouvez. Même quand on dit ici, dehors, il peut être salope, il peut être vous. Hein? Si ça vient sur les réseaux sociaux, ne vous connectez plus sur ma page. Laissez-moi sur ma coco gang avec mes gens. Nous, c'est une autre dimension. D'accord? Voilà. Nous ne sommes pas à votre niveau. Donnez-moi la paix.
Tu vas savoir quand tu fais tes directs, je ris, ça me fait du bien. C'est bien, c'est ça. C'est ça en fait. Non, mais direct, je fais de mal à personne. Il y a des gens qui font des directs, ils sont vraiment amers. Ils sont amers, vous voyez qu'ils sont amers, vous voyez que ce sont des gens vraiment amers. Moi, je fais direct pour rigoler quoi. C'est tout. Même si je coche là, c'est pour rigoler. C'est vrai qu'avec les dix, j'étais un peu amer, mais bon, c'était le show aussi. Hein. Mais sinon, je ne la déteste pas. Je ne la déteste pas, c'est une salope, mais je ne la déteste pas. Elle a fait. Non, il y a un autre qui lui a dit bon, comment il parlait. On le voit souvent là. Moi, j'avais pris une bouteille d'eau pour boire. Pour évacuer. Merci. Vous avez pris la veille, buvez de l'eau les gens. Ce jour-là te fait évacuer. Ma coco gango alors. Votre cap est dans ses délits, vous êtes là, vous êtes connecté. Mais vous ennuyez chez vous quoi. Vous faites quoi? Vous me regardez où, sur grand écran ou bien sur téléphone? Vous êtes sur grand écran ou sur téléphone? C'est vrai que le dimanche, beaucoup ont perdu l'habitude d'aller à l'église et tout, ils sont chez eux. Mais vous savez quoi? Sortez. Ne restez pas enfermé chez vous. Ouais, peut-être les plans amènent. Même si vous n'allez pas dans la communauté, sortez. Vous voyez là par exemple, je suis la seule noire ici. Tu t'assois, tu peux avoir ton argent. Tu arrives, tu te commandes ta sole minière ou ton carré d'agneau. Tu commandes, tu peux avoir ton argent. Profite, vis ta vie, sors de ton confort, va un peu à l'extérieur, va au cinéma, va au théâtre, va faire de la marche, va, tu t'assois où il y a les gens comme ça, que de rester enfermé chez toi, c'est pas bien. Par contre, elle va finir parce que les dossiers, on va dire. Non, regarde. Ça arrive, non? Je vais juste son article. Allez, ouais. Ils disent, moi, les deux noirs ici, elle est partie. Je reste seule. Vous voyez, on va installer. Voilà, du coup, de rien. Vous allez dans les endroits où vous avez vos habitudes. Tu as ton petit pain. Voilà. Bobo Kuta. Dis que mes mimbang. C'est un mimbang ou bien les mimbang de tous les hommes de ta famille. Joigne. Cathy, je peux pas te dire combien en fait quand tu arrives, tu as une carte. Donc maintenant tu commandes quoi, c'est en fonction de ce que tu vas commander, ce que tu vas manger que l'addition viendra. C'est une brasserie, hein. Donc les brasseries en France appliquent les mêmes prix. Mmh.
pouvoir. D'être au-dessus. Voilà, voilà. Ce qu'il veut, c'est qu'on l'entende, que les gens l'entendent appeler. Alors, vous voyez une brasserie comme celle-ci, c'est 24 heures sur 24. La cuisine est ouverte 24 jusqu'à minuit, la cuisine est ouverte. Je peux me permettre de Et ils sont ouverts depuis 11 heures du matin. Vous avez vu les gens? Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Les gens qui travaillent sur les gens comme ça, ça m'agace. Donc, je disais tantôt aux gens, intégrez-vous. Intégrez-vous. Vous rencontrez des problèmes parce que vous ne vous intégrez pas. Parce que toi, tu peux faire que tu arrives du pays, dis que tu viens en Bénin te chercher. Et puis quand tu arrives, direction seulement, au milieu. Tu vas te retrouver dans les mêmes problèmes qu'au pays, le Congo, ça et tout. Tu as vu, moi, j'ai quitté mon milieu avec les whites et tout. Et elle dit que non, je quitte un peu. Je vais dans mon milieu, ta mère, tout ça et tout. Tu as vu ce qui m'arrive. Prends l'exemple sur moi. N'aie pas honte de prendre l'exemple sur moi parce que je ne cache pas. J'étais dans un autre level. Mais le fait de me frotter, voilà où je suis. Et heureusement que je suis une fille très sage. Sinon, je serais morte. Ah oui, et que j'ai un travail. Et c'est même parce que j'ai des projets et que j'ai plus les mêmes moyens d'avant. Je pensais que mes compatriotes, quand un compatriote me tend la main, genre oui, j'ai ma maison, tu peux venir pour un temps, tu peux faire tes fumaisons, 6 mois, 1 an, nous on te soutient et tout, quand tu vas te relever, c'est bon. Je pensais que tout le monde était comme moi, que quand tu dis que voilà, je te soutiens, je t'aide, c'est comme ça, mais non, c'est des pièges. Voilà, je me retrouve mise en spectacle comme ça, de tout, mais ça ne me sacre même pas le moral. Bien au contraire. Vous connaissez le nombre de business que mon père a fait dans sa vie. Mon père a tout fait. Mon père était mécanicien. Mon père, à ses débuts même, quand il était petit, un orphelin de père, mais il a même fait motoroboy. Oui, il est devenu chef d'entreprise. Il était dans l'import-export. Mon père est parmi les seuls Camerounais qui détiennent un agrément forestier au Cameroun. Paul Biya n'a jamais délivré un agrément forestier. C'est Ahmad Ouahidjo. Si je manque, venez dire là que je manque. Tous les agréments forestiers ont été délivrés par Amadou Ahidjo. Depuis que Paul Biya est au pouvoir, il n'a jamais délivré un agrément forestier. Mais moi, je suis héritière d'un agrément forestier parce que mon père est parmi les quelques Camerounais qui ont les agréments forestiers. Vous ne pouvez pas le dire. Je suis à votre niveau. Hein? Voilà le truc que son père, sa mère, élevait les porcs à Tchang, qui aime parler sur les réseaux sociaux. Tout le monde est beau. Parce que nous autres, on ne veut pas voler au Cameroun. On ne peut pas faire comme les autres. Venez sur les réseaux sociaux, vous parlez aux gens, vous ne connaissez pas. Nous sommes du même acabit. Dans la vie, sachez tout faire. Mon père est parti. Le motoroboy a 16 ans, orphelin, peut-être. Donc, motoroboy, il partait de Belabo Militala et tout montait. Et tout. Ah oui. Hein? Tu montes. Après, planter, voyez, les grandes plantations. Quand on plantait le soja, comme les grandes plantations de soja, là, moi, les premiers planteurs à faire les plantations de soja, les États. Les gouverneurs, les ministres partaient de Yaoundé pour venir dans mon village visiter les plantations de mon père. Je suis à autre niveau. Mon père achetait le café dans tout le département de la Haute-Sénat. Il coxait. Vous savez ce que c'est que coxer le cacao. Ça veut dire que tu as les machines, tu as une usine, tu achètes ce que les paysans ont séché.
dans les sacs. C'est du cash. C'est pas l'échec. Il y a quelque chose, il payait cash. Il ramenait dans son jus, il écrasait, il mettait dans les sacs. C'est lui qui revendait au blanc. J'ai grandi dans les sacs d'argent. Vous parlez de que mais ce sont les vous parlez de quoi je fais? Vous parlez de quoi? Hein? C'est parce que la vie elle est comme elle est. Et que ça a été quelqu'un de très gentil. Toute sa vie il a donné. Donc sa fortune est passée comme ça. Il avait des enfants et j'ai donné à tout le monde et fait des machins. Je ne peux jamais souffrir dans ma vie. Parce qu'avant, son père a fait. Oui. Mon grand-père a ramené les djinns qui sont assis chez nous aujourd'hui, que femme et enfant. Et ils pensent même qu'ils peuvent discuter même les dangers avec nous. Vous parlez de quoi? Mais on les laisse. Parce qu'on a une éducation. On les laisse là. Mais on sait que vous êtes djinns. Vous êtes l'intida que grand-père a ramené. Mais bon, on vous considère déjà comme les gens de la famille. Donc, on vous laisse. Et tout. Quoi, le quoi? Je suis arrière, petite fille de chef. Arrière. Bref, je suis une mouillée que mon sang amène. C'est pour ça que des fois, quand vous mettez pour m'attaquer là, quand c'est trop, on vous frappe. On vous frappe. Arrivé dans mon village, là, vous dites qu'il y avait les colatiers ici, les hectares de colatiers, c'est mon grand-père. À l'époque, c'est les colas. On vendait les colas en sacs. On dotait les femmes avec les sacs de colas. La cola était comme le cacao. Oui. Arrivé, on vous fait entrer. Les hectares de colatiers. Toi tu connais ton village, toi qui viens me chuter, ton grand-père était qui? Ton grand-père a fait quoi pour le cacao? Hein? Ton arrière-grand-père a fait, tu connais ton village, vous avez les terres. Mais regardez-moi les gens comme ça, vous venez sur Facebook, vous m'incitez. Il me dit, tiens, comment? Après vous avez dit que c'est à cause de ma bouche là, que vous ne m'aidez pas, ne m'aidez pas, elle va mourir. Mais si vous ne m'aidez pas, moi je suis capable de me chercher. N'importe quoi. Tu as dit que je suis mendiante. Maman m'envoie en direct. Mais. Maman le mouillé là. Mais c'est bien parce que au moins vous avez fait ça. Ça m'a électrocuté, ça m'a bougé, ça m'a dit attends un peu, tu dors depuis des années. Tu ne comprends pas que tu as décidé de partir de ce milieu, mais que c'est ton milieu, que ta place est là. Ton milieu n'est pas avec les gens comme ça. Tu m'avais beaucoup aidé, hein. Vous m'avez aidé. Donc, quand tu as décidé que tu es dans un milieu, ne te lève pas un milieu, tu dis que non, je ne veux plus faire partie de ce milieu, non. C'est ton milieu, c'est Dieu qui a décidé que tu sois là. C'est comme ça. Si tu veux partir de là, tu vas te retrouver mélangé dans la boue comme je me suis mélangé. Ça va être difficile que je nettoie cette boue. Parce qu'il y aura toujours les petits connards, les têtes de moineaux, hein, les gens qui ont la bouse de vache, et la bouse de porc. Ils vont toujours essayer de me ramener dans la porcherie. N'importe quoi. L'eau lave. On lave cette boule avec l'eau. Après quelques livres et toutes les données qu'on peut nous faire. Tu vois, c'est intéressant. Vous ne prenez pas pour une alcoolique, hein. Voilà, vous ne m'avez pas vu descendre les bouteilles devant vous et tout et tout. Je sirote le Grand Marnier, c'est indigestif, mais hyper fin. Voilà, là j'en ai pris deux, c'est bon, c'est suffisant. Parce que ce soir, je vais encore boire. Parce que je vais dîner ce soir avec mon équipe. Voilà mes gens. Oh, Marie-Germaine.
L'air, ça fonctionne. Moi, j'ai travaillé au Cameroun et c'est Coco qui ont déclaré à ma place. Hein? Coucou Bertrand. Oh, ça, c'est mon frère. Ndjomo. La famille Ndjomo. Les princes. Les garçons bien élevés. Oui, frère. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu sais, il y a un temps pour tout. Tu vas m'être content que je sois en vie. Je serais morte, hein, ou j'aurais pété les plombs, ou on m'aurait interné quelque part. Où les gens seraient venus me retrouver comme un légume. Je vais bien, je vais bien. Alors, Claire Jafoutier, tu nous dis que tu as travaillé au Cameroun et c'est Coco qui ont déclaré à ta place. Et moi? Oh, c'est quelle histoire ça? Coucou Julia, tu vas bien? Non, attendez, voilà une histoire encore qui arrive là. Claire, ça foutier. Bon, ça foutier d'abord, ce n'est pas un homme camerounais, donc ça c'est un faux profil. Donc toi tu travailles au Cameroun et c'est moi qu'on déclare. Coucou Raïssa. Coucou Miliwi. Tu vas bien? Pardon, Claire Sapoutier, viens nous affairer. Nous, on aime les affairages. Je suis la Coco Gang. C'est que nous, on s'ennuie. Oui, Julia, t'as vu, hein? On a les mêmes goûts. Super. Claire Sapoutier, toi, tu as travaillé au Cameroun. Et on déclarait que c'est moi. Tu as mes papiers. Mon numéro de sécurité sociale, ma carte d'identité et tout. Comment on peut te déclarer au Cameroun avec mes papiers? Ça n'a pas de sens. Mais voilà un autre scénario qui arrive là. Claire, reprends parce que moi je voulais couper. Je l'ai déjà coupé direct. Oui, allez-y, merci. Merci beaucoup. C'était très bon, merci. Coucou ma petite soeur, voilà un autre dossier que la personne travaille au Cameroun avec mes papiers. Oui, je prends vraiment Jésus-Christ. Deux, j'ai fait le chemin de croix à lui, deux, j'ai vu ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, que Dieu a envoyé son fils unique. Marie a conçu d'abord, Marie a conçu, ça dit, par le Saint-Esprit. Donc, la Vierge Marie n'a pas mis pour concevoir Jésus. Un ange est venu dire à la Vierge Marie que tu vas sauver, accoucher là. Tant que tu vas accoucher là, tu vas appeler Jésus et tout le monde. Jésus, de son bas âge jusqu'à quand il est revenu, pourquoi le tue, personne ne connaît. On ne sait pas comment il a vécu et tout. Mais toujours est-il que quand on voulait le tuer, maman, le chemin de croix, où est le chemin de croix? Ils ont torturé le monsieur là. Ils ont tout dit sur lui. Ils ont arraché ses habits. Ils ont dit sur sa croix, ils ont fabriqué une couronne avec les piquants et tout. Ils ont mis sur sa tête, bah, ça l'a blessé. Le sang a coulé comme ça et tout. Après, ils ont déchiré ses habits. Ils l'ont cloué. Avec un petit caleçon comme ça. Ils ont percé comme ça, papa vivant. Ils l'ont cloué vivant. Les gens criaient sur lui, bah, tu as craché sur lui, bah, sorcier, bah, papa. Je vois des juifs malchants et tout, ils ont tout fait. Ce que vous faites sur les gens sur les réseaux sociaux là. Ils sont allés le mettre avec les criminels. C'est quand il est mort que les ténèbres, c'est-à-dire la nuit est tombée en pleine journée. Il y a eu les fougres partout. Que celui qui l'a d'abord croyé est parti se pendre seul. Oui, Fef. Ça va, toi? Comment? Ah, je suis là. Dis-moi, je suis en direct là. On se rappelle plus tard, oui, oui. Ok, Anna. Donc, après l'avoir tué, Dieu s'est fâché.
t'a dit ça, le, dans le ciel, avant la semaine, t'as dit boum, Dieu est en colère. C'était en pleine journée, mais la nuit est tombée, aura. Tout le monde fuyait, ces gens ont dit, ouais, donc c'était vraiment la femme de Dieu. Judas, même qu'il allait travailler, parti se vendre. Vous êtes tous allés, Judas là. Vous allez vous vendre si quelque chose m'arrive. Vous allez voir. Il a dit que la personne qui va tremper sa main, ou on veut me tuer là. Ça m'arrive, te donne estimation de vie 48 heures. Vous allez voir quelque chose. C'est-à-dire, trafiquez sur moi, hein. Parlez comme vous parlez, là, et tout, machin, tout. Mais quand vous voulez, déjà, vous poussez le bouchon. Ça vous arrive comme ça vous est arrivé là depuis des mois que vous êtes là, tous vos secrets sont dehors. Évitez-moi. Je ne suis pas un être normal. Je suis bizarre comme vous voyez là, que ce soit dans nos traditions africaines, bien que ce soit spirituellement. Je suis très forte. Attention, ma père est au chef dans mon village, c'est vous. Donc bon, marabout et tout, que vous m'envoyez là, qui télécharge mes photos pour les mettre dans leur temple et tout. Eux-mêmes, ils voient le foot. Ils ne vont que manger vos agents. Ils ne peuvent rien me faire. Ils ne peuvent rien me faire, c'est moi qui me dis ça. Je vous le réitère encore aujourd'hui qu'ils ne peuvent rien me faire. Moi-même, je me lave, moi-même, je me soigne. Moi-même, je connais ce qu'il faut. J'ai une intelligence spirituelle que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Oui. Et je partage même souvent certains secrets ici avec vous. Donc arrêtez la sorcellerie. On ne fait pas la sorcellerie sur tout le monde. On ne s'attaque pas à tout le monde. Mais n'insistez pas. Si vous voulez faire du mal à une personne et que ça ne marche pas, laissez tomber. N'insistez pas. N'insistez pas, ça ne sert à rien d'insister quoi. Tu insistes, tu seras dans la merde. Pourquoi vous êtes comme ça? Depuis là, vous me cherchez, vous voulez faire que tout ça ne marche pas. Hein? Vous amenez maintenant d'autres personnes à me détester, à venir me faire, à venir m'insulter pour rien, alors que vous savez que vous ne pouvez rien. Ça fait 13 ans que vous cherchez. Ça fait 13 ans même, depuis 2009 que je suis ici sur les réseaux sociaux. Je suis incapable de prendre 5 minutes. Hein? Ça fait combien d'années? Vous allez déjà embaucher les gens, vous allez déjà tout faire. Mais vous n'y arrivez pas. Lâchez. Oubliez-moi. Laissez-moi et ma coco gang. J'ai créé ma coco gang. Maintenant, quand je serai prête à reprendre là-bas sur l'usine africaine de l'unité, je vais reprendre. Ils sont presque 600 000 là-bas, mais ils attendent. Si je veux reprendre demain, un jour ils recèlent, je reprends. Mais ils savent que je suis dans. Ils ont compris que je suis un génie. Et ils ne me dérangeaient pas là-bas. Je peux récupérer les mêmes recettes 100 fois. Ils vont toujours venir liker. Comme ça. Donc, foutez-moi la paix. Bon, je vous embrasse, hein. Je vais y aller. Il faut que j'aille me reposer un peu. Il y a une commission des affaires étrangères au Parlement européen qui est prêt. Il doit intervenir. Non mais je sais pas, on voit avec... De toute façon, je fais rien sans toi. Là, pour l'instant, déjà, pour comprendre. Forcément, il y a des gens qui sont là pour... Un homme même pas mon charisme. Ça, c'est l'anga la plus foirée du Cameroun, mais qui a un charisme qui n'a pas de nom. Envoyez les cœurs à Capit. Franchement, c'est pas comme ça. La SDF la plus célèbre du Cameroun et la plus charismatique. Vous avez déjà vu une SDF comme ça. Une SDF est charismatique comme moi. Non, mais là, vous êtes pas... Adama. Ma fille de Papolia. Voilà. Vous voyez les cœurs. Voilà. C'est ça qui est ça. La théorie du danger. Quand les gens pensent que mon charisme ne dérange plus, c'est là que le charisme vient alors maintenant s'aimer le doux dehors. Cela, il faut que je calme. Voilà, c'est comme ça. Mais nous, ton gavon dit que regarde la grosse, elle a déjà pris la grosse. Mais vous voyez souvent que les autres prennent même la grosse. Yoanda. C'est les Japonais des États-Unis. Merci beaucoup, Périne. Merci beaucoup, ma chérie. C'est
c'est dans le sang. Tu sais, quand tu as un papa qui mettait à l'école, hein, c'est-à-dire l'école Blancard, la Garfelle, toujours comme ça, en Borsalino. Normal, tu as grandi en voyant un papa qui s'habillait toujours bien. Donc toi-même, normal que tu t'habilles bien. Une maman qui était toujours chic, bien habillée, les tatas qui étaient toujours chic, bien habillés, qui ne s'habillaient pas n'importe comment, ni vulgairement. Donc du coup, tu as adopté cet habillement-là. Tu n'allais jamais me voir habillée vulgairement. Je me mets sexy, mes classes. Et ça, c'est important parce que j'ai beaucoup de petites sœurs qui me regardent. Voilà, on peut leur dire que ouais, une grande sœur elle avait l'argent, elle n'a plus et tout machin. Mais quand elle me regarde, elle disait que non, la grande sœur là, moi j'aime son affaire parce que même si elle n'a pas les dos, elle n'a pas perdu le charisme. T'es ça, même petite sœur, ne perdez jamais vos valeurs. Ne perdez jamais votre identité. Parce que c'est la seule chose que quand je mange comme ça, je suis fière. Et vous devez garder ça. Donc ça, c'est mon conseil pour la fin, hein, de notre direct d'aujourd'hui. Je vous embrasse. Hein. Passez un excellent après-midi de dimanche. Hein, et que Dieu vous bénisse. I love you, hein. Ciao.